Le début d'expédition, pour moi, c'est une première expérience au Népal. C'est assez riche en émotions parce que voilà, c'est quand même un pays qui a son lot d'aventures, un lot historique de quand t'es alpiniste. Je dois venir visiter ce pays qui est le Népal. C'est quelque chose d'assez puissant et c'est des odeurs, c'est une population qui est assez bienveillante. Dès qu'on arrive à Katmandou, on était dans un petit lodge juste à côté du Bouddha Stupa. Et donc là, on a fait le tour qui, a priori, justement, nous donne bonne chance, good luck, avant de partir en montagne. Un rapport à la religion qui est assez important. This time, I think we pushed it in terms of how fast we got here, because we arrived in Kathmandu. The next day, we flew to Lukla, from there the same day to Namche Bazaar. So now we are at the Kangri Resort in Chukum. It's at 4,700 meters, so it's almost the Mont Blanc. And it's my favorite lodge, my favorite place to get the acclimatization done, to train, roam around the trails and the mountains which are close to Chukum. Ce matin-là, on décide de partir pour l'Island Peak, qui est un peu le sommet, la grande classique ici, où nous, c'était une chance de pouvoir s'acclimater, de pouvoir aller dormir à 6100. On est passé d'un mode très léger, trail running, et puis là, on part avec le gros sac, on est chargé avec le jet ball de quoi faire à manger, de quoi dormir, donc on a des tentes d'assaut. Oh, and the ridge, man. Very happy. Quand on arrive sur cette arête, on se regarde avec Lucien, on s'encourage. David qui est un petit peu dans sa bulle, qui avance devant, qui fait la trace. Donc c'était vraiment excellent, une super expérience de faire cette arête qui n'en finissait pas. Puis lorsqu'on rejoint le sommet, on est en milieu d'après-midi et donc là on aura le temps de faire un terrassement, de poser les tentes. You really can sleep right next to the summit, which was amazing because you have this really beautiful view there. C'était un moment assez joyeux. Pretty nice atmosphere in there. On était content de sentir que notre préparation pour notre expédition était lancée, elle était en cours et elle était sur bonne voie. And was really interesting and as well really good to get a feeling for the conditions to test the snow conditions and how it's up there. Namaste, Dai. Welcome for the coffee. Donc le samedi 7 octobre, on se lève au lodge et là, bah, c'est la journée magnifique. On prend le café en terrasse avec David. Super ambiance, super début de journée. Et là, on part en direction du pied du Chopolu. Finally, we then headed to our objective, which was Chopolu, and it's a mountain which is really so beautiful shaped. It's like a Matterhorn, a really super nice pyramid. Et donc en décidant d'aller au Chopolu, on se rend compte qu'on a une longue moraine à traverser. Et donc là, le jour J, en partant de nuit, puisque l'idée était de faire un one push, donc une ascension à la journée, eh bien, on allait forcément se perdre. Donc cette grande moraine, on est allé la visiter la veille et on a été mettre des petits cairns de partout, tous les 15-20 mètres. Pour pouvoir partir tôt le lendemain matin et pour pouvoir se repérer jusqu'au pied de la face.
il n'y avait plus qu'à se diriger au pied et à commencer à grimper. Allez, maintenant on part dans la fosse, ça part. The first part was really nice and good snow conditions, quite compact, so we could move fast. But the higher we got there towards the south ridge, the more sugar snow was there. Et donc là, l'évolution, on sort la corde, on a sorti nos deux brins de 60 et on tirait des grandes longueurs avant de déboucher sur l'arête. Et là, l'arête, bah, vraiment, c'était dément de se retrouver là-haut. Et les lieux environnants à côté, ça donne... vraiment une ambiance mythique avec les chutes de Sérac sur le Lhotse, le bruit des glaciers, le vent sur la crête sommitale. C'est vraiment des sensations extraordinaires. And once we were on the ridge, we followed the south ridge towards the summit, which was really, yeah, a very nice kind of finale there. On arrivait au sommet en début d'après-midi. Il y avait des nuages qui passaient à fond la caisse. On était un peu pris par les éléments. Et de devoir redescendre toute cette face en désescalade dans cette neige sucre, c'était vraiment compliqué. Il commençait quand même à être tard. Les nuages abondants nous forcent à rester sur place. So we couldn't get down the way we wanted to get down. Well, David, can you say a word? Yes. What's happening? So today, we climbed Chopulu. Really cool. We had the Spanish route. Wow, it was amazing. But we had to breathe quite a lot. And the last bit was quite a lot of trail breaking. And now we just hope that maybe in the evening it clears up that we can fly down. And in case not, we build a snow cave to BB and then hopefully fly tomorrow morning. Let's see. C'était vraiment un drôle de moment quoi, de creuser un trou et de se dire bon bah, on va passer la nuit dedans. On espérait qu'il fasse zéro dedans et je pense qu'il faisait plutôt moins 10. On a passé une nuit vraiment terrible, assez inoubliable, où on a eu très très froid. Good dinner. Cheese, Emmental and breadstick. And you guys? Chicken... tikka masala. And some cheese. Delicious? Delicious. Donc il a fait très froid, la nuit était assez longue, mais au petit matin, Lucien qui attendait vraiment les premières lueurs du jour, il sort et on l'entend par des cris un peu de joie. Okay guys, let's go, let's pack and fly down. Le vent est excellent, on avait vraiment des conditions parfaites pour faire un joli take-off, un joli décollage. Yeah. Good luck.
plaisir. Ah, je vais. We did this face. Take off and down. Le fait d'avoir réussi le Chopolu 6007, c'était vraiment super. C'était des sensations qui resteront gravées. This was for sure a moment I will never forget. And... Bah, j'aurais beaucoup appris de cette expérience. Une chouette team pour trois belles semaines ici. Avec les copains, voilà, une première super expérience au Népal. On s'est vraiment bien entendu, ça s'est bien passé. On a déconné, c'était bien fun. Et ouais. Hey Frenchy party people, Tomorrowland, Alan Peak, are you listening? Come on, put your hands in the air! Woo!